Monsieur, bonsoir. Émission spéciale ce soir. Ce soir, on aimerait bien que les étudiants qui viennent de réussir au bac soient un petit peu plus rassurés sur leur avenir dans cette UAG. C'est pour ça, justement, que ce soir, on va parler de ce qu'on appelle déjà l'ex-UAG. Pour cela, j'ai réuni sur un plateau plusieurs personnes, plusieurs personnalités même. Le président de la région, M. Victor Manuel, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Madame Sarah Gaspard, qui est universitaire, mais membre du collectif GUAD. Merci d'être venu. Monsieur, Madame Alvarez, bonsoir. Bonsoir. Fabien Alvarez, vous travaillez à l'UAG. Et Monsieur Bernard, aussi qui est aux finances à l'UAG. Bonsoir, et d'autres personnalités qui sont en coulisses et qu'on verra en deuxième plateau. Alors, cette crise de l'UAG, c'est la plus grande de son histoire, la plus importante, la plus longue d'ailleurs, de cette petite UAG qui n'a qu'à peine 30 ans. Une crise qui a commencé, c'était au mois de novembre, septembre, octobre l'année dernière. Ça a commencé au pôle guyanais. On a eu l'impression que c'était circonscrit à la Guyane. En fait, la crise s'est étendue. Et s'est étendue à la Guadeloupe, elle a touché la Martinique. Il y a eu plein de rebondissements. On ne fera pas ici l'historique de cette crise qui est trop longue. Il faudrait un ouvrage d'au moins 500 pages pour parler de tout ce qui s'est passé depuis ces longs mois dans cette université antillo-guyanaise qui n'est plus guyanaise, puisque vous le savez, la crise guyanaise a permis l'éclosion, on peut dire, d'une université guyanaise de plein exercice, même si elle n'est pas encore réellement en fonction. Nous savons aussi que des ordonnances sont en route et l'actualité de cette ex-université, c'était la réunion ce matin, réunion au sommet, on peut le dire, des quatre chefs présidents ou exécutifs de Guadeloupe de Martinique. C'est la première fois pour cette crise que ces quatre personnalités se réunissaient. Monsieur Jacques Gillot pour la Guadeloupe, Madame Josette Manet, présidente du Conseil général de la Martinique, Monsieur Victor Emmanuel qui est là, et aussi Monsieur Serge Letchimi, qu'on retrouvera tout à l'heure en interview, parce que ces personnalités n'ont pas pu être là. Alors, de quoi on va parler? On va parler de l'avenir de cette UAG. Que va-t-il se passer? Ces étudiants qui ont réussi aujourd'hui au bac, qui sont en train de sabler peut-être autre chose que de la limonade, sont en train de se dire, est-ce que nous devrions, oui ou non, venir à cette université? Ils ont besoin d'être rassurés, et surtout leurs parents. Beaucoup de Guadeloupéens se posent la question, mais quand il va passer, on va comprendre, c'est mon ayoka dit, une université qui j'ai qu'à marcher, pour qui bitait un bab comme ça, est-ce que Guadeloupéens et Martiniquais ne peuvent pas marcher ensemble? C'est aussi des questions qui se posent, et c'est pour cela qu'on a voulu un peu décrypter cette crise et comprendre comment faire pour que des Guadeloupéens et des Martiniquais puissent s'entendre autour d'un projet commun d'université. Alors, il y a eu plusieurs projets, plusieurs idées, université guadeloupéenne, université martiniquaise, université guyanaise. Finalement, l'ensemble des quatre exécutifs s'est mis d'accord sur le projet d'une université des Antilles. Mais sur cela, il y a encore des divergences, des incompréhensions quelque part. Et c'est pour ça que ce matin, il y a une première réunion qui se poursuivra d'ailleurs lundi prochain à Fort-de-France. Et donc, je vais poser la première question à l'universitaire, Madame Gaspard. Est-ce que la réunion de ce matin vous a rassuré? Alors, la réunion de ce matin, je crois qu'il faut vraiment attendre ce qui se passera lundi pour savoir un peu quels sont les éléments en fait d'accord entre les exécutifs de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc c'est extrêmement important. Et là où c'est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans cette ordonnance. Est-ce que l'autonomie est réellement inscrite avec de nouvelles structures? Est-ce qu'il y a réellement création d'une nouvelle université? Donc ces points-là seront vraisemblablement établis lundi. Donc nous attendons lundi. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste sur l'avenir? Je préfère ne pas avoir d'a priori. Je crois que les choses, comme l'ont dit les présidents de région et du Conseil général, sont ouvertes. Donc je préfère ne pas avoir d'a priori. Je crois qu'il faut effectivement, comme vous l'avez dit, rassurer nos étudiants. Et je tiens à dire que les diplômes sont délivrés par les facultés. Les facultés fonctionnent très bien. Les enseignants font leurs cours. Les diplômes sont délivrés par les doyens des facultés. Donc la problématique UAG, c'est une problématique qui est au-dessus des facultés. Donc, ils peuvent s'inscrire sans aucune difficulté à l'UAG. Président Lurel, vous étiez ce matin peut-être l'instigateur de cette réunion. Il y a 15 jours, vous avez tenu une plénière. Vous avez rassemblé le monde universitaire. Vous avez donné vos sentiments sur les directions, la direction aujourd'hui. Alors, semble-t-il, M. Letchimi le disait ce matin, que vos positions commencent à se rassembler, à se rapprocher, même s'il y a encore des différences. Alors, ce que je voudrais simplement vous demander... Qu'est-ce qu'on peut dire aux Guadeloupéens aujourd'hui qui nous regardent vis-à-vis de cette ex-UAG? Faut-il encore comprendre la crise elle-même? Oui. Les enjeux. La crise, c'est quoi? La Guyane est partie,
et il y a une université qui doit être, sinon créée, du moins poursuivre ses activités. Et ça s'appellerait, ou ça s'appellera, l'Université des Antilles, comprenant la Guadeloupe et la Martinique. Il y a deux manières de le faire. Il y a même une troisième que le gouvernement apparemment pourrait envisager. Les deux manières, c'est de dire ce qu'elle vient de dire, on crée une université, une nouvelle université. C'est ce qui se fera en Guyane. Donc il y aura un décret qui va créer une université nouvelle. Et pour nous, Guadeloupe et Martinique, deux manières, continuer les activités de l'UAG, Université Antilles-Guyane, mais cette fois-ci sans le G. Ou alors... faire comme la Guyane, créer une université nouvelle. C'est donc, deux bases. Donc, il faut bien dire aux Guadeloupéens aujourd'hui que l'UAG n'existe plus. Non. Tel qu'on l'a connu. Est-ce que c'est non, la non, question. Au moment où nous parlons, l'UAG existe. Oui. Puisque les décrets ne sont pas sortis. Lorsque d'accord. les décrets sortiront, a priori, il me semble, c'est au 1er janvier 2015, que l'université guyanaise sera en vigueur, sera... sortira des fonds baptismaux. Voilà, va entrer en application. Non, le décret va sortir là, en juillet. Oui, 23. Il faut le sortir avant le 23 juillet. Je pense qu'il faut être très pédagogue dans l'affaire pour que les gens comprennent. L'UAG existe, oui. Tout ça va changer avant le 23 juillet. Pourquoi le 23 juillet ? Parce que le Parlement a donné au gouvernement une habilitation de légiférer par ordonnance. Qu'est-ce qui légifère ? C'est le Parlement, c'est pas le gouvernement. Donc on dit que c'est tellement compliqué, les députés, les sénateurs, on prendrait beaucoup de temps. Donc on donne au gouvernement la possibilité de faire à la place du Parlement. Le Parlement va ratifier tout ça après. Et on donne 18 mois. Je crois là, c'était 18 mois là. Ça prend fin le 23 juillet. Si le gouvernement ne fait rien d'ici le 23 juillet, eh bien le Parlement va retrouver tous ses droits. Et ne pourront pas régler la crise guyanaise, mais aussi la crise antillaise. Alors, avant cette date, il faut sortir deux choses. Une ordonnance, parce que cette ordonnance est une loi, en fait, que fait le gouvernement, pour dire, dans quel cadre général la nouvelle université des Antilles va poursuivre ses activités ou va être créée. Ça, c'est une chose. Après la publication de l'ordonnance, ça peut sortir d'ici quelques temps, il y aura le décret de la Guyane. Pourquoi l'ordonnance avant ? Parce qu'il y a une hiérarchie des normes. On ne va pas entrer dans tout ça. La loi va sortir d'abord, ensuite les décrets. Et contrairement à ce que l'on pense, les élus ont toujours été d'accord. Toujours. Oui. Sauf sur une chose, sur la base juridique. Je m'explique. D'accord pour dire, compte tenu des contraintes de chacun, 6000 étudiants en Guadeloupe, peut-être 4 800, 4 500 en Martinique, il est de bonne politique et de sage politique que de faire ensemble et de faire une université des Antilles avec 10 000 étudiants. Disons ça comme ça. Il y avait l'autre option qui consistait à dire faisons une université de Guadeloupe 6 000, faisons une université de Martinique 4 000. Bon, on estime, nous élus, ce n'est pas la bonne solution. Et donc, on s'est entendu, nos élus. On a simplement ajouté la chose suivante. Compte tenu de l'historique, compte tenu du fonctionnement depuis 30 ans ou 32 oui, ans, oui. Il est bon de faire une mise à plat et donc de demander, pour garantir l'avenir, une large autonomie sur plusieurs plans, plusieurs registres, sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan budgétaire, sur le plan de la recherche et sur le plan scientifique. Oui. De dire, sur chacun de ces registres-là, approfondissons le contenu de l'autonomie. On pourrait s'opposer là. Donc, ce qui oppose aujourd'hui la communauté universitaire et le monde politique, c'est deux choses. Premièrement, la base juridique. Selon la base choisie, la gouvernance saute. Et ce n'est pas une question de madame ou monsieur un tel. Oui. Selon la base juridique choisie, si c'est la création comme en Guyane, vous aurez une élection. Donc, ça veut dire que l'actuel conseil d'administration ne pourrait pas rester en l'état. Si c'est la poursuite des activités de l'ancienne UAG, eh bien, la gouvernance actuelle peut aller encore jusqu'en 2016. Madame Alvarez, je pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord totalement avec ce que dit M. Lebel ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il y a des choses importantes et intéressantes qui viennent d'être appelées par le président Lurel. Sur la nécessité d'abord de faire ensemble, parce qu'il me semble que la population guadeloupéenne ne comprendrait pas qu'on célèbre il y a peu l'entrée
de la Guadeloupe dans l'Association des États de la Caraïbe et puis qu'on soit finalement incapable de collaborer franchement avec nos plus proches voisins qui sont ceux de la Martinique. D'accord aussi avec ce qui apparaît dans le communiqué de presse et qui nous permet finalement d'être quand même optimistes. Puisqu'à la fin de ce communiqué, il est rappelé la nécessité d'apaiser les choses, d'appeler à la responsabilité de chacun, de rétablir un climat de confiance et de sérénité. Il me semble que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, tant pour l'université que pour ses personnels, mais aussi et surtout pour les étudiants et leurs familles. Et vous avez bien dit au départ que ces étudiants sont inquiets, qu'ils viennent d'avoir leur bac et qu'ils se demandent s'il faut s'inscrire à l'UAG. Et on serait tenté de leur dire oui, oui sans hésiter. Et c'est ce que confirment les premières statistiques sur les inscriptions. Les chiffres sont assez prometteurs, semble-t-il. Voilà, les chiffres sont bons et finalement ils peuvent s'interpréter comme une confiance dans la capacité de cette gouvernance à mener à bien le bateau qui est l'université et ce malgré l'ensemble des difficultés qui ont été rencontrées ces 9 derniers mois. Et je pense que cette stabilité, elle est aujourd'hui essentielle. Essentielle pour les formations, essentielle pour les étudiants, essentielle pour l'apaisement. Et on ne comprendrait pas non plus qu'après 9 mois de quasi-chaos, qui se traduisent néanmoins par une énorme quantité de travail fournie par l'équipe actuelle, on ne comprendrait pas que l'on replonge dès la rentrée de septembre, dès le mois d'octobre, dans des conciliabules, des associations pour alors de nouvelles élections. Vous êtes sur quelle position ? Concrètement, il faut de l'apaisement. Il faut que la gouvernance qui a entamé de gros et lourds chantiers les poursuive. C'est compliqué à expliquer pour tout un chacun, mais il y a beaucoup de chantiers sur la comptabilité qui n'était pas aux normes, qui est en train d'être mise aux normes, sur la stabilisation d'un certain nombre de processus, de procédures. Et ce n'est pas le moment, ni pour l'université, ni pour les personnes qui ont vocation à venir y travailler, de remettre tout ça en cause. Alors, voilà. Je vais poser une question un petit peu plus technique à votre voisin, M. Bernard. On a dit un moment, bon, on ne va pas rester très longtemps sur cette question, mais enfin, il faut quand même en parler. Où en sont les problèmes financiers de l'université ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'université se porte bien financièrement ? Parce que, je pose la question, pourquoi ? Parce que la région investit, je crois, 51 millions, c'est bien ça ? Ouais. Sur un site ? Pardon ? Mais c'est beaucoup plus que ça. Oui. Sur un site. Oui. Alors, donc, ça implique quand même, quelquefois, un droit de regard, mais ce n'est pas ça la question. La question de savoir quelle est la situation financière. Est-ce que l'université, ce qu'on appelle encore l'université Antiguane, se porte bien financièrement ? Bon, d'abord, permettez-moi de remercier et puis de féliciter tous les jeunes bacheliers qui ont eu leurs résultats cet après-midi des 3 académies, celle de la Guyane, celle de la Martinique et celle de la Guadeloupe. Un grand bravo aux équipes pédagogiques du rectorat, un bravo aux parents et puis aussi un bravo à ces jeunes qui vont venir à l'Université des Antilles et de la Guyane puisqu'elle s'appelle encore comme ça. Alors, en termes de situation financière, dernièrement, la semaine dernière, nous avons voté le budget, ce qu'on appelle la décision modificative, et l'université va de mieux en mieux. N'oublions pas qu'en 2013, nous sommes passés aux responsabilités et aux compétences élargies. L'université, c'est quoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est 83 millions de masse salariale, c'est 25 millions en fonctionnement, pas en fonctionnement, excusez-moi, 19 millions en fonctionnement et 8 et quelques millions en investissement. Donc nous avons une très 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 lourde charge de versement de salaire, de fonctionnement de cet établissement. Et en 2013, nous sommes arrivés à passer ce cap des responsabilités, des compétences élargies. Il n'y a pas eu de problème à l'établissement, financièrement parlant. Nous avons bien évidemment vu passer dans nos murs de nombreuses inspections qui nous ont aidés à, consolider tout ça. Et maintenant, l'établissement se porte mieux. Voilà. D'accord. Donc financièrement, c'est pas le problème. Alors, c'est pas un problème. C'est pas le problème. Alors, président Lurel, il y a eu cette réunion de ce matin pendant laquelle vous avez discuté pendant pratiquement 2-3 heures. Vous allez la poursuivre lundi et vous avez dit qu'il y a une date butoir le 23.
au regard de ce que souhaiterait le gouvernement. Alors, sur la question même de l'orientation de l'université, parce que tout le monde dit « nous sommes pour l'UAG, pour l'université en si », d'accord, Monsieur Latimi le dit, Madame Manuel le dit, Monsieur Gilles le dit, mais où sont les divergences? Qu'est-ce sur la base juridique. Qu'on n'est pas aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui ne s'est pas terminée par un accord global. Monsieur Latimi a fait voter une résolution au Conseil régional de la Martinique, même chose pour Jacques Gillot, même chose pour Josette Manin et moi aussi. Alors, commençons par nous. La région Guadeloupe a proposé deux choses. Si le gouvernement veut suivre la voie de la création, nous avons fait des propositions. Ça implique un certain nombre de choses, d'où le changement de gouvernance. Oui. Et vous savez ce qui m'est tombé dessus, que je suis contre la Martinique, que je suis un mafieux. Vous êtes vraiment contre la Martinique ? Je trouve ça misérable, les gens qui pensent ça, que je protège des gens aux relations un peu bizarres. Bon, bref, des gens qui auraient détourné les fonds, alors que les gens bénéficient de la présomption d'innocence. Si on choisit la voie de la création, il y a une solution. Ça suppose et ça implique changement. Pourquoi cette voie-là est intéressante? Parce qu'elle permet de créer une université expérimentale. Elle permet de faire des choses neuves, nouvelles, innovantes et créatives, ce que ne permet pas les textes, si j'ose dire, standards. Nous avons fait donc une deuxième proposition sur la base de l'article 128 qui délimite le périmètre de l'habilitation qui permet au gouvernement de respecter ce que le Parlement lui a demandé. Et on dit, si c'est le 128 que vous utilisez, contrairement à ce que vous faites pour la Guyane, eh bien voilà ce que ça va impliquer. Donc c'est pourquoi, dans le communiqué que vous avez, on dit la Guadeloupe reste ouverte sur la base juridique qui va fonder l'université des Antilles. La Martinique dit, nous sommes nous pour la continuation, ils appellent ça transformation. Bon, très bien. Et c'est là que la polémique est née. Je dis qu'on veut la tête de la présidente. Nous, on n'a pas à entrer dans ces polémiques-là. On dit, on veut une création. Pourquoi veut-on une création en Guadeloupe? Pourquoi la plupart des professeurs du pôle, je ne dis pas tous, l'exclusivité, mais l'essentiel du monde et de la communauté universitaire guadeloupéenne demande une université de Guadeloupe? Je rappelle que lorsque j'étais ministre... De Guadeloupe ou des Antilles? Non, pourquoi ils voulaient l'université de Guadeloupe? Pourquoi la plupart des professeurs qui sont venus voir Josette Bourel-Lincertain, qui à l'époque, elle, a pris, et elle avait raison, elle a son opinion publique, de dire, eh bien, on peut créer une université de Guadeloupe, même si ce n'est pas forcément souhaitable. Donc depuis lors, après discussion avec les professeurs de Guadeloupe, ils ont été plus que raisonnables en disant, ok, si on nous garantit une belle autonomie des deux pôles, nous sommes prêts à accepter l'université des Antilles. Et pourquoi veulent-ils à ce point-là une université de Guadeloupe? Parce que ça ne marche pas depuis 32 ans en discussion, en transparence, en opacité entretenue, en atavisme, en arrière-pensée. Et donc, ils ne peuvent pas discuter. On a voulu donc faire, nous, la démonstration que les politiques se parlent, que les politiques se comprennent et se mettent d'accord avec une seule chose qui reste et qui nous sépare, c'est justement la base juridique. Si le gouvernement choisit création, comme le souhaitent certains ici en Guadeloupe, ça demandera à changer la gouvernance. Pour le moment, le texte que le gouvernement a proposé, c'est la continuation des activités de l'UAG. Et ça ne nous pose pas de problème. Justement, Mme Gaspard, sur cette problématique, vous êtes passé de l'université de Guadeloupe, l'UG, à l'université des Antilles. Qu'est-ce qui a motivé cette évolution? Alors, je vais rappeler une chose, c'est que lorsque nous avions parlé de l'université de Guadeloupe, nous avions toujours parlé de l'université de Guadeloupe dans le cadre d'une confédération avec la Martinique et avec la Guyane. Vous aviez un écho en Martinique favorable à l'université martiniquaise? Il y avait des universitaires de Martinique qui, eux aussi, voyaient la création de l'université de Martinique. Donc, en fait, la confédération, c'est un dispositif de la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche qui permet que les universités, donc, qui sont finalement des entités ayant des budgets propres et des fonctionnements propres, mettent ensemble ce qu'elles veulent mettre ensemble. Donc, il s'agissait pour nous, en fait, que chaque entité ait son budget propre, son indépendance financière, son autonomie en termes scientifiques, mais qu'elle mette ensemble ce qu'elle veut mettre. Ça, par exemple, ce serait la faculté de médecine, ça pouvait être aussi les services centraux.
Donc nous avons bien réfléchi à cela. Nous avons bien sûr proposé qu'il y ait aussi une comment dire, que la communauté universitaire soit consultée. Et la consultation qui finalement a été organisée par l'intersyndicale a donné que 50% des gens se sont déplacés et à 77% ont voté pour l'université de Guadeloupe. Alors, dit quand même que cette consultation n'a pas été démocratique, elle n'a pas respecté toutes les règles. Elle a été réalisée que les étudiants n'ont pas participé, en fonction. Enfin, alors, non, les étudiants n'ont pas. Le bénéfice d'exister. Voilà, oui. Voilà. Donc, elle a été réalisée en présence d'un huissier. Oui. D'accord, pour tout vous dire. Et d'autre part, bien après, a été autorisée par les étudiants, une consultation des étudiants. Donc nous, mais pas validée par la présidence. Voilà. Non, pas validée par la présidence, qui finalement était opposée à cette consultation. Parce qu'il y avait une consultation quand même qui était prévue, il faut le dire. Voilà, il y avait une consultation qui était prévue. Et malheureusement, je crois que c'est ce que déplore l'ensemble de la communauté universitaire, qu'elle soit pour une université de Guadeloupe, une université des Antilles, c'est qu'il n'y a pas de consultation du personnel, il n'y a pas de discussion. Oui. Les discussions sont obérées, empêchées. Donc il y a eu une campagne médiatique dans la presse sur l'affaire Sérègue-Mère. Moi, monsieur Célimène, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc on ne pouvait pas focaliser le débat uniquement sur cela. Et c'est ça qui a gêné l'ensemble des universitaires qui actuellement se sentent même gênés de parler. Donc c'est extrêmement difficile actuellement et moi, en tant que vice-doyenne de la faculté des sciences, je discute régulièrement avec le personnel de la faculté des sciences qui me dit qu'il verrait très mal que cette gouvernance puisse continuer en l'état. Il y aura des élections et les personnes qui veulent se présenter aux élections se présenteront. Ce sont des élections tout à fait démocratiques à partir du moment où il y a une création d'université. Alors, il y a un point que j'aimerais éclaircir avant d'écouter Mme Josette Manet tout à l'heure. Monsieur Lurel a un moment sorti un certain nombre de documents dont il était, qui venaient du ministère, qui étaient à disposition de la présidence. Est-il vrai que ces documents ne sont jamais parvenus? Vous voulez éclaircir ce point une fois pour toutes. Alors, le problème qu'il y a eu, c'est que ces documents sont arrivés extrêmement tardivement. C'est M. Lurel qui nous a... Au mois de mai, je crois. Voilà, il nous a fait parvenir ces documents. Il n'y a pas eu de débat. Mais vous n'avez pas eu de la présidence. Non, il n'y a eu aucun débat sur ces documents qui devaient, justement, être mis à disposition des universitaires pour qu'ils en discutent, pour qu'ils sachent, pour qu'ils donnent leur avis. Et donc là, la communauté universitaire, en Guadeloupe en tout cas, est extrêmement frustrée qu'il n'y a pas de débat sur son avenir. Oui. Madame Alvarez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes sur cette même longueur d'onde, à savoir que les informations qui devaient être attribuées, devaient être les redistribuées, transmises aux universitaires, à la communauté universitaire, ne sont pas parvenues à destinataire, à telle enseigne que le président de la région a été obligé, entre guillemets, de les publier de manière à ce que les universitaires sachent ce qui se passe. Est-ce que vous aviez ces informations, vous, en tant que vice-présidente du pôle formation? Alors, pour débuter, je voudrais quand même réagir à un certain nombre de choses qui viennent d'être dites, parce que si on veut que les téléspectateurs comprennent, il faut, parler de choses qui traduisent une réalité. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas savoir quel est l'avis de l'essentiel de la communauté et de ce qu'elle veut, puisque cet essentiel de la communauté ne s'exprime pas. Il y a des personnes qui parlent, certaines sont légitimes, entre guillemets, parce qu'elles sont élues, et d'autres ne prennent pas la parole. Elles ne prennent pas la parole parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de consultation. Elle n'est pas été validée, c'est autre chose, mais Donc, il n'y a pas eu de consultation organisée par l'université, tout simplement parce que le 30 janvier, lors d'une réunion des élus de Guadeloupe, lorsque cette question a été posée, les élus de Guadeloupe qui étaient présents lors de ce conseil ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas de consultation au motif qu'elle était organisée par la gouvernance, comme si finalement en France... un parti d'extrême droite décidait que le président sortant n'a pas à organiser des élections et qu'il organise lui-même ses élections. Les élus pourtant, du conseil d'administration. Il y avait une date qui a été prévue pour la conférence. Mais si je peux terminer. Les élus du conseil d'administration dont je fais partie, le 30 janvier lors d'un conseil... ont estimé qu'il était trop tard pour avoir une consultation. Certains ont estimé que la gouvernance n'était pas capable d'organiser une consultation dans des conditions raisonnables. Et donc, ils n'en ont pas voulu.
Il y a une consultation qui a été prévue, qui a été annoncée. Malheureusement, il y a une grève qui s'est déclarée le jour où il s'agissait de préparer et de mettre en œuvre. Et cette grève, comme vous le savez, s'est terminée le jour des vacances de Pâques. Donc on ne peut pas dire, voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que la gouvernance n'a pas souhaité de consultation, puisqu'il y a de nombreux courriers qui émanent de la présidente et qui ont été adressés depuis le mois de septembre au vice-président du pôle, c'est-à-dire celui qui est chargé finalement du campus de Guadeloupe, avec un planning pour lui demander d'organiser des échanges, d'organiser des ateliers, etc. Ce qui a été fait sous la forme qui arrangeait en ce temps les personnes au pouvoir. Ma question. Je demande les documents qui ont été publiés par la région. Est-ce que vous en aviez connaissance? Pourquoi ils ne sont pas arrivés au monde universitaire, aux universitaires, au conseil d'administration, par exemple? Les propos du collègue, de la collègue Madame Gaspard, ce qu'il y a simplement, après les premières explications qui ont été faites donc par Madame Alvarez, il y a donc une discussion de documents entre un ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est devenu un secrétariat d'État, et puis le ministère des DOM. Donc ces deux ministères se rencontrent. D'accord. Donc, dont un qui est la tutelle de l'établissement. Et nous attendions de la part de la tutelle de l'établissement un document final, d'accord, qui serait disponible, amendé de part et d'autre, de façon à ce qu'il soit divulgué à la communauté. Alors, bon, ça n'a pas été le cas. Le document qui a été proposé et qui a été diffusé par le vice-président du pôle Guadeloupe, c'est un premier document qui vient de la région Guadeloupe, mais qui n'est pas le document final. Et sur ça, simplement, nous avons jugé bon de ne pas divulguer n'importe quel document, de divulguer le bon. Et dès que nous l'avons reçu, nous avons divulgué à l'ensemble de la communauté le document final sur lequel... Après la région, en fait. Le document dont disposait la région, c'est un premier document de travail. C'était pas le bon. Non, quand je dis c'est pas le bon, ce sont des documents de travail sur lesquels il y a des amendements qui sont faits ou des modifications qui sont proposées par chacune des collectivités. C'est le document qui a été distribué à l'ensemble de la communauté. Vous confirmez, monsieur le... Non. Ce document a été envoyé, c'était un avant-projet, le 9 mai, j'arrive à Paris, le 9 juin, un mois après, je demande à mon ex-collègue Fiorazzo de me recevoir. Pourquoi ce document a-t-il été envoyé à la présidente et à la seule présidente et au recteur chancelier des universités, et il y a un blackout? Pourquoi? Et il me dit, mais le document est bon, la seule chose qui manque, ce que vient de dire M. Bernard, la seule chose qui manque, c'est pas grave en droit, c'est vu l'avis du conseil régional ou du conseil général. C'est ce qui manquait dans les visas, comme on dit dans le texte. Et Fiorazzo s'en est étonné en disant, ah bon, je dis, mais oui, tu as donné un monopole de négociation à la présidente. Moi, je l'ai reçu accompagné de M. Bernard. Elle m'a remis d'ailleurs un document qui était un document fait par quelques personnes. Je croyais que ça avait fait l'objet d'une large concertation. Donc, j'ai dit à Fiorazzo, je distribuerai ce dossier, ces avant-projets, au pôle de Guadeloupe. Il arrivera là où il arrivera, mais je le diffuserai. Et que je ferai une plénière, je l'ai annoncé ici même sur ce plateau, à Canal 10, que je ferai une plénière consacrée à l'université. J'ai invité tout le monde. Bon, et tous les points de vue. Donc finalement, la présidente n'est pas venue. Enfin, vous reprochez de lui avoir accordé que 5 minutes, de vouloir lui accorder que 5 minutes. Non, ça, mais non, elle serait parlé comme elle. Bon, ça c'est une chose. Le fait de prétendre qu'on ne pouvait pas organiser une consultation, tous nous souhaitions une consultation. Je ne sais pas quel élu a dit qu'ils ne veulent pas de consultation. Vous croyez qu'on va décider de l'avenir de l'université? Les étudiants qui sont sur les deux pôles ne seront pas entendus, ne seront pas consultés au motif qu'on n'a pas le temps ou qu'un élu dans un conseil d'administration non diffusé aurait dit que ce n'est pas souhaitable.
Non, il y a eu une volonté, c'est clair. Serge Letchimy le dit, Josette Manet le dit, Jacques Gilles le dit, moi je le dis, de garder l'information par-devers soi, oui, de ne pas le diffuser, de garder, si j'ose dire, le monopole de la proposition et le monopole de la négociation avec le gouvernement. Donc j'ai fait mon travail d'élu. D'accord. Alors, à ce stade de la discussion, on va écouter la présidente du Conseil général de la Martinique, Mme Josette Manet, qui était ce matin avec vous, avec les trois autres exécutifs, entendre un peu son point de vue sur cette réunion de ce matin. De cette réunion d'aujourd'hui, nous retenons simplement que nous avons quatre présidents qui ont voulu échanger, qui ont voulu se rencontrer et partager donc des points, j'ai envie de dire, des points communs que nous avons donc pris devant nos plénières respectives. Et bien évidemment, il s'agissait pour nous de mettre à plat effectivement quelques divergences, notamment la problématique de création ou de continuité au niveau donc de l'université ou de transformation, je veux dire. Donc pour cela, donc, nous sommes restés donc sur nos positions et nous avons évoqué aussi la problématique effectivement de l'enveloppe budgétaire qui peut-être qui là aussi crée quelques petites divergences, mais ce que nous avons convenu justement, parce que ce que j'avais fait d'emblée en arrivant donc à la réunion, c'était de pouvoir lancer une invitation au cas où nous n'aurions pas terminé donc notre réunion de ce matin, ce qui est fait et nous pourrions nous retrouver lundi à la Martinique de façon à continuer à travailler ensemble sur ce dossier. Mais écoutez, le but n'est pas forcément d'avoir un accord final, puisque de toute façon s'il y a divergence, donc on peut rester effectivement sur des problématiques, mais il s'agit effectivement de pouvoir travailler ensemble, parce que bon, ben, nous sommes des politiques, nous n'avons pas forcément toujours des accords sur tout, mais il s'agit effectivement de travailler pour l'université, que ce soit le pôle Guadeloupe ou le pôle Martinique, et de trouver ensemble des troncs communs et de pouvoir faire partager avec nos étudiants, de les mettre en confiance, de faire en sorte que nous ayons des pôles qui soient donc des pôles compétitifs. Je ne vais pas m'avancer sur ce point, puisque vous savez que la Martinique a pris donc une délibération où nous disons effectivement qu'il y a donc transformation. Qui dit transformation dit effectivement une gouvernance qui demeure. Mais la problématique de la présidente n'est pas pour nous une vraie problématique. Nous ne sommes pas cantonnés sur une personne. Nous avons simplement dit que nous souhaitons effectivement que, puisque nous voulons une transformation, que la gouvernance actuelle demeure. Ça tombe de source si effectivement juridiquement c'est une transformation. Donc je pense que la gouvernance va continuer pendant les deux ans. Alors, sur cette question, on revient donc sur le bateau. On a entendu Mme Manet, on entendra tout à l'heure M. Gilou et ensuite M. Letchimy. On a quand même le sentiment qu'il y a encore des divergences sur le fond. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je répète, il y a deux divergences fondamentales. Sur la base juridique, oui, le gouvernement fera son affaire. Oui. Oui. La Martinique a voté pour la poursuite des activités, ils appellent ça la transformation. Donc l'UAG qui continue... L'UASANG. Sans loger, ouais, avec quand même des amendements et un contenu en termes d'autonomie. Deuxième différence, c'est sur le contenu même de l'autonomie. Oui. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, parce que la région Guadeloupe a rewrité, avec le concours de professeurs et de juristes, on a rewrité, on a rédigé, disons ça comme ça, tous les textes. D'accord. Et là où on peut, il y a une petite divergence avec la Martinique, c'est sur la répartition des emplois et surtout des crédits. On dit que le conseil d'administration de l'université, comme tout établissement, toute société, il y a un conseil d'administration. Il se trouve qu'on a deux îles, Guadeloupe et Martinique, il y aurait un deuxième conseil d'administration qu'on appelle conseil de pôle. Ouais. On dit lorsque le conseil d'administration, qui est au sommet, un peu fédéral ou confédéral, décidera d'affecter les crédits, il devra le faire sur la base de critères objectifs, tenant compte notamment de l'effectif étudiant, des enseignements dispensés, des activités de recherche, de la surface du bâti et du non-bâti. Vous voyez derrière vous, vous avez là du bâti et du non-bâti. Il se trouve qu'il y a deux pôles, deux sites en Guadeloupe. Il y a Fouillol, il y a Saint-Claude. Bon, donc, on connaît la surface des pelouses. C'est le même critère que l'on utilise pour la dotation des lycées. La région connaît, les régions connaissent un peu ce type de calcul. Si on applique ça, la Martinique nous dit
mais vous prendrez 4/5 ou 2 tiers du budget. Oui. Parce que vous avez plus de surface, plus de bâti, plus d'étudiants, plus de laboratoires. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Plus de personnel. Et peut-être plus de personnel. Ils n'ont pas tort de dire ça. Alors moi, j'ai fait une proposition, mais qu'on va approfondir. Écoutez, disons donc, compte tenu de ce que demande le pôle de Guadeloupe, disons donc que 2/3 du budget seraient répartis en tenant compte de ces critères dits objectifs. Et donc, on verra. Donc, on ne s'est pas arrêté sur ça. Et puis, il y a l'élection des vice-présidents de pôle. Parce que le texte que le gouvernement a envoyé dit il y aura élection de vice-présidents de pôle, mais sur proposition du président de l'université. Ici, en Guadeloupe, on se dit, mais ce n'est plus une élection. On faisait ça au temps de la Troisième République, avec des candidats officiels. On a tenté de faire ça à la fin de la Quatrième République. Ça veut dire que vous présentez un candidat. Donc là, on en dit non. Les pôles élisent librement leur vice-président. Et puis, ils savent qu'ils doivent travailler avec le président. Même chose, le président sait qu'il doit composer avec ses vice-présidents de pôle. On demande la création d'un conseil académique sur chaque pôle. On demande à avoir un avis sur l'affectation des biatos. Bon, c'est des termes techniques. Que pour les agents. Bon, et puis bien entendu, il y a un pouvoir qu'il faut réserver au président, si j'ose dire, fédéral. Oui. Parce que quel est le problème ? Si on va trop loin dans l'autonomie, ce sera de l'indépendance. Mais si on laisse les choses en l'état, on va continuer les blocages vécus depuis 30 ans. Et c'est ça qu'il faut de la sagesse. Et certains, pour empêcher que le débat n'aille jusqu'au bout, ont tenté de mêler les choses. En nous faisant porter le chapeau pour un laboratoire avec un professeur qui a eu une gestion un peu particulière, en disant, mais si M. Lurel dit ça, si la Guadeloupe dit ça, c'est qu'ils sont de mèche avec ces gens-là. Ça n'a rien à voir. D'autant plus, et je le dis là devant vous, si la présidente de l'université a vraiment porté plainte comme elle le dit, elle n'a plus à parler d'une affaire de justice. C'est maintenant au magistrat et à la DJPJ de Fort-de-France qui m'a demandé des documents, qui a demandé à d'autres collectivités. J'ai fourni tous les documents, puisque la région Guadeloupe a financé à une certaine hauteur. Au total, on devait dépenser 4,7 millions. La Martinique a donné près de 9 millions. Donc, on va voir. Donc, on n'a plus à parler de ça, de dire que si on change la gouvernance, c'est pour protéger ce laboratoire. Ça n'a plus rien à voir. L'essentiel, donc, c'est le problème de fond sur le contenu de l'indépendance, qui doit être raisonnable, mais en même temps conséquent, sans pour autant aller à l'indépendance. Oui. Voilà. Est-ce que si les deux points dont vous venez de développer ne sont pas, vous accordez pas lundi, on peut arriver au clash ? Non, c'est pas souhaitable. Non. Mais on est déjà, je vous dis, très sérieusement d'accord. Le gouvernement est ouvert, il a fait savoir depuis toujours en disant nous sommes ouverts à vos amendements. D'accord. On verra donc lorsque le gouvernement, et on doit le faire avant mardi, là. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi mardi ? Et c'est pourquoi on a fixé le rendez-vous en Martinique lundi. Parce que le gouvernement, en ayant recueilli toutes les propositions faites en Guadeloupe et en Martinique, va transmettre un texte amendé au Conseil d'État. Le Conseil d'État dira au gouvernement si sa base juridique est bonne. Et donc prendra son texte après. Publiera d'abord l'ordonnance, ensuite le décret créant la Guyane. Si on estime qu'on n'est pas content, si les professeurs estiment qu'ils ne sont pas contents, ils peuvent attaquer le décret. On est dans un état de droit. Ils peuvent l'attaquer. Et si on estime que l'ordonnance n'est pas bonne, même si elle relève d'une autre procédure en droit public, on peut attaquer aussi l'ordonnance. Alors, c'est un peu plus compliqué, il est vrai. D'accord. Mais on peut l'attaquer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des garanties qui sont données. C'est la raison pour laquelle le fondamental pour nous, pour la Martinique, région et département, pour la Guadeloupe, département et région, c'est de s'entendre sur le contenu de l'indépendance. On ne fait pas de problème de personne. On a posé un problème de base juridique, l'État en fera son affaire. En revanche, sur le contenu de l'autonomie, on a fait des propositions précises, on sera vigilant sur ce que le gouvernement retiendra. Bien, on va s'arrêter là pour cette première partie de ce débat. C'est la page de publicité, puis on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite.
Retour sur le plateau de CD La Presse spéciale université. Et bien sûr, le plateau a changé puisque nous recevons maintenant, on va commencer par les dames, Patricia Troubeau-Braflan, qui est sociologue, parce qu'on va parler de le problème de la crise, de cette crise. À ses côtés, Monsieur Antoine Delcroix, qui est vice-président de la vie étudiante. Aujourd'hui, on a proclamé le bac, donc il y a beaucoup d'étudiants, on le disait en début d'émission, qui sont un petit peu inquiets, qui méritent d'être rassurés. Madame Diana Ramasamy, vous êtes présidente de Ensemble pour l'Université, c'est ça ? Du collectif Ensemble pour l'Université des Antilles. Des Antilles. Et à vos côtés, Monsieur Jacques Molinier, qui est syndicaliste à l'UAG, qui a mené cette grève. On va commencer par vous. Pourquoi il y a eu grève, en fait ? Une grève si longue ? Alors, on rappelle les motifs de la grève. C'est premièrement, il s'agissait de défendre les personnels précaires de la Guadeloupe parce qu'on voyait poindre à l'horizon, suite au discours de la ministre, Mme Suazo, qui disait qu'on allait prendre des postes en Guadeloupe, aux Antilles, mais donc en Guadeloupe, et les transférer, puisque la Guyane partait, les transférer en Guyane. Donc, ce qu'on appelle une économie d'échelle. Oui, je suis d'accord, mais il s'agissait aussi de dire que nous étions un établissement, on fonctionnait, on nous dit oui, mais il y avait une part qui travaillait pour la Guyane, donc vous leur devez leur donner les postes en question. Mais on a oublié aussi qu'on avait embauché des personnels précaires pour faire cela aussi. Et donc, moi j'ai dit, avant de partager, comme on dit, les biens, on partage les dettes. Les dettes, c'était les personnels précaires. Donc, nous, on est monté au créneau déjà pour stabiliser la situation des personnels précaires. Parce que vous avez eu un résultat à la suite de cette grève. Il a été écrit que les personnels par le ministère qu'on a signé, je rappelle, on a signé un protocole d'accord avec la présidente de l'UAG, le ministère et bien sûr l'intersyndicale, qui dit que les postes qui sont aux Antilles restent aux Antilles. D'accord. Et c'est acquis. Oui, c'est acquis. Et donc il faudra surveiller toujours. Il faut toujours surveiller le gouvernement. Après, le reste qui est de dire pour le reste. Vous devez rester vigilant quant à la répartition des moyens sur chacun des pôles et bien sûr de la précarité qu'il y a sur chacun des pôles. Auquel cas, là, je dois dire que nos revendications et nos demandes vers la présidence de mettre en place des groupes de travail pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe finement et comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la répartition des moyens, pour l'instant, ces courriers ont eu pour une seule réponse, c'est que ce n'est pas le moment. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu un courrier ce matin où vous disiez que vous n'étiez pas tellement d'accord avec la dernière réunion. D'ailleurs, on va y revenir. Madame Troubeau, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup écrit sur le management dans nos populations. Cette crise, dans une interview faite sur un site, on voulait la comparer à la crise LKP parce qu'on disait que, est-ce que c'était un modèle ? Pourquoi, à votre avis, cette crise perdure ? Elle dure, pas seulement elle perdure. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas surprise de l'ampleur de cette crise. Parce que j'ai été très surprise d'entendre la médiatisation qu'il y a eu autour de l'élection pour cette présidence. C'est la première fois que je voyais ça. Les médias ont été envahis par des universitaires qui sont venus, en fait, j'avais l'impression, vendre quelque chose. Et c'est là que j'avais entendu ce fameux slogan « La compétence au lieu de l'alternance ». Et ce slogan avait été sorti par un universitaire en Guadeloupe, mais martiniquais. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. À ce moment-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai compris que de toute façon, cette université rentrait dans une crise. Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. La crise, elle était pendante dans les mots. Elle était pendante aussi, je l'ai dit, ce que tout le monde refuse de dire, dans cette troisième présidence que les Martiniquais n'auraient jamais dû prendre. En dépit. Parce que la faute, elle est originelle. Elle vient tout le monde sait que c'est de là que vient le péché originel. Tout le monde le sait. Personne ne le dira. Moi, je n'ai pas l'acquaintance dans ce milieu. Je ne dépends pas d'eux. Je n'ai pas d'amis spécialement dans le milieu. Donc, moi, je peux le dire. Donc, c'est la question de l'alternance, en fait, qui s'oppose. L'alternance, je pense qu'il y a eu ce problème qui était déjà là. Parce qu'il faut dire aussi que si cette alternance a été posée, j'en parlais avec un des vieux fondateurs, c'est qu'il y a bien une raison. Parce qu'il sentait bien qu'un déséquilibre de cette université tenait, parce que tout le monde connaît, mais enfin, bon Dieu, dans cette crise, nous avons beaucoup d'historiens, beaucoup de profs de lettres. Tout le monde connaît bien mieux que moi les rivalités historiques
qui existe entre la Guadeloupe et la Martinique. Oui. Et mais si... est-ce qu'il ne faut pas les amoindrir, trouver un moyen pour les amoindrir? Eh bien, les amoindrir, précisément, oui. C'est en tenir compte. Vous ne pouvez pas amoindrir un problème en l'occultant et encore moins en le recouvrant de quelque chose qui, pour moi, en Guadeloupe, a été perçu par les universitaires guadeloupéens comme du mépris. Parce que quand vous avez un universitaire martiniquais qui, en Guadeloupe, vient vous dire « c'est votre présidence », bon, d'accord, mais par contre, nous vous disons que ça va être la compétence et pas l'alternance. Compétence en plus, a priori, parce que ces personnes n'avaient pas encore fait leurs preuves. Et quand on regarde l'état de la situation, moi qui enseigne le management, ben, c'est un échec total de cette notion de compétence. Alors, est-ce que, de votre point de vue, Madame Troubeau, on peut sortir par le haut dans cette crise? Mais bien évidemment. Mais bon, après, moi, je suis aussi une ancienne syndicaliste. J'ai mené des grèves très dures et très longues. On sort d'une crise par le haut. Oui. On sort d'une crise par la négociation. On ne sort pas d'une crise en s'arc-boutant sur ce qu'on a cru qui était bon parce qu'on semble détenir la vérité et que... les insultes ne cessent de fuser. Il y a une universitaire martiniquaise qui m'a pratiquement insultée suite à l'article de Caraïbes Créole News. Je me suis dit, je me garde pour le moment de faire une réponse. Mais ça, c'est totalement inadmissible. Comment, dans un lieu où il doit y avoir le débat, la contradiction, une fois que vous dites que non, ce n'est pas normal que ça se passe comme ça, qu'il y ait une telle violence autour du Sérégnia. Moi, j'ai siégé au conseil d'administration de l'UFR Droit et Sciences Éco. Soyons sérieux, que les universitaires se respectent. Vous avez des noms de personnes qui vous disent aujourd'hui qu'ils ne savaient pas que ça se passait. Vous avez leur nom et leur présence dans des conseils d'administration où ce problème a été débattu. Donc dites, nous n'avons peut-être pas été vigilants, mais arrêtez de vouloir faire croire que le problème, c'est le Sérégnia. Le problème, ce n'est pas le Sérégnia. C'est d'accord. Faux. Alors, M. Delcroix, vous êtes vice-président de la vie étudiante. On disait en ouverture de cette émission tout à l'heure que des étudiants ont besoin d'être quelque part rassurés. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui a été dit dans la première partie de cette émission et au regard de ce qui se vit encore dans cette université, on va vers l'apaisement? Je pense qu'on va effectivement vers l'apaisement, ou du moins vers un modus vivendi acceptable. Pour réagir sur l'affaire de l'alternance entre les présidences, moi je suis très pragmatique, hein, 3 candidats guadeloupéens, une candidate martiniquaise, un candidat guyanais. Faut pas être très savant en termes de science électorale pour savoir que les candidats guadeloupéens ne s'étant pas entendus, le résultat serait soit le candidat guyanais, soit le candidat candidate martiniquaise. Mais sur le slogan, la compétence plutôt que la gouvernance, votre commentaire? Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Sur les étudiants, par contre, c'est eux qui sont ma préoccupation en tant que vice-président du Conseil des études et de la vie étudiante de cette université. Bon, ce qui est remarquable, effectivement, c'est que nous avons un maintien, voire une augmentation des candidatures pour notre université, avec en premier vœu plus de 1500 personnes en Guadeloupe qui ont choisi d'emblée l'UAG, qui seront donc des étudiants primo arrivant à l'UAG, ce qui prouve qu'on n'a quand même pas si mal travaillé que ça au travers de la crise pour effectivement... Donc la grève n'a pas réellement eu des effets la négatifs grève, non, la, grève pose la, question. La grève a fait parler de l'UAG, mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, nous avons communiqué autour de l'offre de formation que nous mettions en place. Puisque pendant que ces événements se déroulent, je rappelle que nous ouvrons de nouvelles formations l'année prochaine, un DUT à Saint-Claude, les DUT métiers du multimédia de l'Internet, des licences professionnelles en alternance. Donc il y a un travail de fond qui s'est fait pour accroître l'offre de formation de cette université. Je voudrais aussi dire que... Non, mais globalement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la situation est bonne à l'interne, enfin, pour les étudiants et pour les jeunes bacheliers qui nous regardent ce soir, ils doivent continuer à s'inscrire? Les étudiants vont s'inscrire et je pense qu'il faut qu'ils continuent à s'inscrire dans une université. Bon, moi, je ne vais pas discuter autour du fait création-transformation. De toute façon, il est à peu près clair que le cadre article 73 de la Constitution qui permet l'expérimentation plus l'ordonnance offre tout autant de liberté qu'une université expérimentale qui aurait le défaut, en revanche, le grave défaut, de nier les compétences que nous avons acquises. Une université expérimentale, c'est en gros
dire que nous ne sommes pas assez forts pour avoir une université de plein exercice, donc nous nous mettons à l'abri d'autre chose. Moi, je n'ai pas envie de voir le prochain président de l'UAG, de l'UA, pardon, oui, débarquer de Paris ou d'ailleurs, comme c'est... Ça risque pas. C'est ce qui se passe en Guyane. C'est ce qui se passe en Guyane. Oui. C'est ce qui se passe en Guyane et qui est contesté en Guyane. D'accord. Donc moi, je pense qu'un cadre article 73 de la Constitution, donc qui est le droit à l'expérimentation reconnu, oui, pour l'ensemble des domaines, plus une ordonnance, suffit bien pour notre bonheur. Après, c'est des discussions, pour moi, qui sont très secondaires. Le président Lurel l'a dit, l'essentiel, c'est le contenu de l'ordonnance. Alors, d'accord, je voudrais quand même rajouter, oui, une chose. Un dernier mot, c'est que moi, je suis extrêmement heureux d'une chose. C'est que l'Université des Antilles, finalement, fait aujourd'hui une certaine unanimité. Et c'est donc le projet porté par la gouvernance actuelle, oui, qui finalement s'est inscrit dans les faits. Oui. Et contrairement à ce que pensaient un certain nombre de collègues, notamment au comité technique de l'UAG, la présidente de l'université, son équipe, ont accepté et même ont provoqué, je dirais, tous les amendements qui allaient vers le renforcement de l'autonomie. D'accord. On va y revenir. Madame Ramassamy, vous êtes de la Martinique pour cette partie, puisque vous êtes dans un comité martiniquais. Alors, semble-t-il, c'est sous le campus de Chelchère qu'il y a comme un pourrissement. Alors, j'aimerais bien en Guadeloupe qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe à la Martinique, non pas seulement sur la question de l'Université des Antilles ou pas, mais sur ce climat un petit peu délétère. Donc il existe, il est vrai, en Martinique, un climat délétère, un climat de haine, où on arrive à certaines extrémités, c'est-à-dire que les collègues ne se parlent plus. Donc il existe une faculté de droit, une faculté des lettres, où les liens entre les collègues deviennent de plus en plus difficiles. Donc on est rentré dans des considérations qui ne devraient pas exister au sein d'une université. Oui. Donc, plus le débat est entretenu dans la haine, dans la calomnie, mais qui entretient le débat, dans la violence. Ce débat haineux, comme vous dites, parce que c'est quand même surprenant. L'université, c'est un lieu de débat, normalement. Oui, l'université, a priori. Oui, oui. Et Bourdieu a beaucoup écrit sur l'université. En principe, oui, nous devrions représenter l'élite, oui, même de nos sociétés, mais ce n'est pas le cas ou ce n'est pas encore le cas. Donc, nous traversons une crise et certains prennent plaisir même, donc soit insultés, à calomnier et entretenir un sentiment de haine et de rivalité, alors que pour l'ensemble, nous sommes tous en train de travailler pour le même objectif. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce que elle est transversale. On a beaucoup parlé de cette affaire Célimène, Sirivia, etc. J'ai vu dans la presse que vous, ce matin, pour ne pas aller trop loin, oui, que vous étiez mise en cause. Alors, j'ai une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce soir. on ne va pas rentrer dans tout le débat, mais... qu'est-ce qui s'est passé à votre niveau? Parce qu'on aimerait bien comprendre, est-ce que oui ou non, comme on dit, vous avez été attributaire d'une somme qui vous n'était pas destinée. Mais j'ai naïvement pensé que vous m'aviez invité pour parler de la création aussi, de l'Université des aussi, Antilles. Aussi, mais il faut éclaircir. On aime le scandale. On, oui, aime le scandale. Non, il faut éclaircir sur tous les points. Oui. Nous aimons le scandale. Donc je suis partie en 2013. Vous savez, j'ai une formation de lusophone. Je suis, oui, partie à l'Université de Poitiers, courageusement, donc à l'âge de 16 ans. Préparé donc un doctorat de lettres que j'ai obtenu, et je me suis aussi spécialisée en langue, littérature et civilisation lusophone, puisque nous avons un voisin, le Brésil, où justement il se passe des choses très passionnantes en ce moment. Oui, ils ont gagné cet après-midi. Donc moi, je suis spécialiste du Brésil, où je vais régulièrement. Donc les collègues de la Guyane, où bizarrement il n'existe pas de formation de portugais assez développée qui puisse permettre qu'il y ait des maîtres de conférences, etc., spécialistes en civilisation brésilienne, donc bizarrement. Donc les collègues de la Guyane viennent me chercher en Martinique pour me demander de travailler sur un projet ATIPA, donc Action Transfrontalière de Formation sur le plateau des Guyanes. Oui. Le plateau des Guyanes, vous savez que le Brésil, la Guyane, le Suriname et le Guyana forment le plateau des Guyanes. Oui. Donc j'accepte difficilement, puisque j'ai une famille en Martinique, mais je dis, bon, puisque j'ai été formée en portugais, je suis spécialiste du Brésil, j'accepte de rendre ce coup de main, entre guillemets, aux Guyanais. Les Guyanais donc montent un PO Amazonie, donc c'est un projet de coopération, et pour ce projet de coopération, mettent en place un budget prévisionnel.
Donc il faut me payer, je ne travaille pas gratuitement. J'ai un aspect un peu philanthrope, mais il faut quand même me rémunérer. Donc ce budget prévisionnel prévoit 37 000 euros pour un contrat de 10 mois. Donc ce qui équivaut plus ou moins à 1 900 euros par mois. Vous voyez, 1 900 euros par mois, à peine le SMIC pour quelqu'un qui a un doctorat plus. Bref. Donc j'accepte parce que je sais que nous traversons une crise et que je dois quand même travailler en collaboration avec la Guyane parce qu'à l'époque, nous étions encore UAG. Donc je vais en Guyane, je m'installe à Cayenne sur le campus de Troubiran où il n'existait pas de cafétéria, où il n'y avait pas d'activité physique, où il n'y avait pratiquement même pas de bibliothèque. Donc je m'installe à Cayenne et je développe un partenariat efficace avec le Brésil qui a signé une convention de partenariat entre l'UAG et l'université de Macapá. Ensuite interviendra cette crise, cette grève qui a paralysé la Guyane et qui a quelque peu justement créé un climat de distance avec nos partenaires du Suriname et du Brésil. Donc j'ai eu un contrat de travail, j'ai été rémunérée et il se trouve que des personnes qui écrivent des romans ont trouvé bon d'utiliser ce partenariat avec la Guyane pour me descendre dans une histoire de scandale avec le Sénégal. Mais ça montre bien en fait la volonté d'humiliation, la volonté de calomnie, la volonté de salir l'autre, alors même qu'il s'implique. D'accord. Merci cette explication. Alors, monsieur Molinier, moi, j'ai envie que vous remontiez un peu sur ce que disait monsieur Delcroix. Il disait tout à l'heure que pratiquement, la présidence avait accepté pratiquement votre projet et que si vous vous êtes rangé un petit peu, j'ai pas envie de dire sous les jupes, mais enfin sous l'auspice de la présidence en ce qui concerne l'avenir de cette université. Bon. Moi, je pensais qu'il y avait des divergences profondes. Je vais rappeler que en tant qu'intersyndical, oui, on s'est positionné pour demander aux collègues quel était leur avis. Oui. Si vous posez la question à Jacques Molinier, oui, il reste et il demeurera fervent partisan de trois universités en confédération. D'accord. Et je sais pourquoi, et pour les raisons de simplicité, de fonctionnement, et pour aussi éviter la guerre frontale qu'il va y avoir, oui, entre la Guadeloupe et la Martinique au conseil d'administration. Jusqu'alors, chacun cherchait à acheter les voix du troisième larron qui maintenant est parti. Donc, au moment où on va rentrer en combat frontal, chacun va compter ses voix avant d'arriver au conseil d'administration pour savoir comment on répartit les petits, d'où la raison d'essayer de trouver des critères objectifs pour éviter qu'on se batte comme on a l'habitude de se battre, dès qu'un budget apparaît, dès qu'une formation apparaît. Et là-dessus, il est évident que si on ne met pas en place des critères objectifs pour la répartition des moyens, et surtout des moyens financiers et des moyens en personne, globalement, on va avoir une guerre dans ce conseil d'administration, quelles que soient les personnes qui seront élues dedans. Chacun va défendre son territoire. Précaré, oui, et pour ne pas dire son diplôme presque, puisque c'est ça qui se passait. D'accord. Alors, Madame Troubeau, justement, au regard de ce qui a été dit là aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'on n'est pas proche de l'apaisement, finalement. Mais je voulais vous poser, au-delà de cette réponse, cette question, une autre question. Sur les deux projets, Université Antilles, Université Guadeloupe, vous positionnez comment, puisque vous n'êtes pas impliqué directement? Vraiment, pour la, oui, paix des ménages, oui, moi je dirais chacun chez soi. Oui. Je crois que les anciens le rappellent, et j'avais une discussion là-dessus avec Titor Degla il n'y a pas très longtemps, qui disait que ça a toujours été le problème. Et lui, qui connaît bien l'histoire de ces deux pays, dit de toute façon, vous pouvez toujours créer l'Université des Antilles. Dans quelques temps, ça va encore péter et il faudra faire deux universités. Mais ça veut dire que Guadeloupe et Martinique ne peuvent pas s'entendre? Je crois que les rivalités historiques, oui, sont tellement fortes qu'on ne peut pas en faire abstraction. Wow. Je crois qu'il faut... Nous pouvons très bien nous entendre chacun chez soi. C'est comme, ouais, deux adultes, chacun chez soi. Nous n'avons pas, d'antinomie. L'histoire de même bité, même bagaille, c'est une formule. Moi, je le répète, je suis issu des deux pôles. Donc, je connais parfaitement le fonctionnement des deux pôles. Même bité, même bagaille, c'est beau, c'est un très beau slogan. Mais l'histoire et la sociologie de la Martinique nous disent parfaitement que la Martinique, ce n'est pas la Guadeloupe. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que tous ces écrits dont Mme Diana Ramassami parlait, où en permanence,
silence, des gens sont insultés. Le président du conseil régional, qui est quand même un élu, qui est quand même majeur, grand chez lui, a été copieusement insulté au moins 2 ou 3 fois par des universitaires martiniquais. Ce n'est pas une tradition chez nous, même si on est opposé à l'URL, on n'est pas obligé de l'insulter en permanence dans des courriers. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle dans cette crise, c'est cette incapacité qu'ont ces universitaires, qui sont censés donner l'exemple aux étudiants, montrer qu'on peut débattre, qu'on peut échanger. Et dès lors que vous émettez un avis contraire, que vous dites non, il ne fallait pas faire telle chose, surtout cette troisième présidence martiniquaise, quand bien même, je le dis, elle est légale. Monsieur Delcroix l'explique. Et je crois qu'ils ont joué là-dessus en pensant que ça allait passer. Ben non, vous êtes en train de payer le prix de cette petite stratégie. Parce que vous vous êtes dit, ben, il n'y a pas de candidat, allez, on va passer entre les deux. Ben non, ça ne passe pas. C'est un petit calcul qu'il ne fallait pas faire et vous vous en rendez bien compte aujourd'hui. Donc, de toute façon, on est condamné à travailler ensemble. On va travailler ensemble, mais je crois que pour un apaisement total de cette situation, personnellement, moi, j'estime, bon, je n'ai rien contre la gouvernance actuelle, mais il faut faire table rase et mettre d'autres personnes, parce qu'il faut apporter la paix, là, la légalité, mais pas la légitimité. Pierre-Edouard Picord, directeur du courrier de Guadeloupe, vous avez organisé dans votre journal... avec M. Delcroix. Oui, justement, avec M. Delcroix et d'autres personnes, un débat qui a été assez intéressant, d'ailleurs, au moment où la crise commençait un petit peu à perdre son ampleur, et puis finalement, les choses sont revenues. Alors, aujourd'hui, en tant que journaliste, observateur de cette crise, vous avez fait vos études loin de la Guadeloupe, à Reims, si je me trompe. Dijon. Oui. Alors, comment vous voyez un peu l'évolution des choses, journalistiquement parlant, parce que c'est vrai que des médias ont été vraiment au premier plan dans cette affaire universitaire. Alors, sur le débat, parce que c'est quand même intéressant, oui. Pendant que je l'animais, j'avais l'impression, si vous voulez, qu'il y avait une belle avance rationnelle des arguments de M. Delcroix sur ceux qui étaient développés par M. Valmorin, qui était tenant d'une université Guadeloupe. Et puis quand j'ai relu les notes, je me suis dit, bon, la raison ne l'emportait pas pour autant sur des faits qui étaient constamment réitérés par M. Valmorin. Et puis au final, on se dit, effectivement, il y a un problème, il y a un vrai problème. Que dit M. Delcroix? Il est beaucoup plus raisonnable d'avoir une mutualisation, d'avoir une seule entité, que c'est mieux, etc. etc. Sauf que... Il reste très fonctionnel, M. Delcroix, c'est ça, rationnel. En fait. Rationnel. Oui, rationnel. Rationnel. Oui. Rationnel. Plus qu'autre chose. Non, mais c'est vrai que le raisonnement se tient. Ouais. Sauf que devant les faits, quand j'ai relu, je me dis, bon, ben, y a un vrai problème. Maintenant, sur ce que vient de dire Mme Braflant, évoque un problème sociologique pour expliquer cette, disons, cet antagonisme entre les deux îles. Je crois que c'est un petit peu plus que ça. Je crois que les choses ont évolué d'un point de vue, pas seulement sociologique. Les deux pays sont devenus des territoires. Mmh. Et parce qu'ils deviennent des territoires, c'est-à-dire administrativement, l'histoire de département, il n'y a pas d'entité. D'ailleurs, l'entité antiguyane est une construction de l'esprit. Parce que, c'est une construction de l'esprit parce que la Guyane n'a rien à voir avec deux îles qui sont la Guadeloupe et la Martinique. La Guyane est un pays de fleuves, c'est un pays de forêts, c'est un pays qui a de grands voisins comme le Brésil, rien à voir. C'est une construction de l'esprit et ça n'a pas de réalité propre et ça explose. Oui. Moi je crois qu'aujourd'hui, les deux îles sont devenues deux territoires et je vous dis cela, de toute façon, ce sont deux territoires qui auront de plus en plus des intérêts divergents. C'est vrai pour l'université. C'est vrai pour le port. Oui. C'était vrai pour une fameuse télévision. Oui. Et c'est vrai pour la Sarah. Oui. C'est pas vrai pour Canal. Monsieur Delcroix, quand même, on va envie de vous entendre. Non, mon expérience, donc je suis vice-président d'un conseil de l'université depuis maintenant 18 mois, et mon expérience est en fait qu'on travaille très bien ensemble. Oui. Et je dirais qu'on travaille encore mieux depuis la crise.
depuis la crise, j'ai réuni deux fois le Conseil des études et de la vie universitaire, le 20 mai et le 23 juin. Ces deux conseils se sont passés dans des conditions de travail extraordinaires, y compris avec les collègues guyanais. Chacun s'écoutait, chacun avait une écoute vraiment attentive. Vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de rancœur, plus de... Nous sommes capables, à l'intérieur de ce conseil, qui rassemble des gens extrêmement divers, par exemple Thierry Césaire, qui est un partisan plutôt de l'Université de Guadeloupe, des gens qui sont issus de l'ensemble des composants de l'université, nous sommes capables de travailler ensemble et d'atteindre des décisions qui sont en général prises à une très large majorité. Le conseil d'administration du 27 juin de l'UAG donne également une atmosphère qui a fait dire à deux des trois recteurs, par rapport aux universités dont on vient, c'était un conseil d'administration calme. Donc j'affirme, au-delà de nos différences, que nous sommes toujours capables de travailler ensemble, en commun, pour bien des questions, bien des aspects, nos besoins de formation sont identiques ou similaires ou proches. Et en particulier en formation continue, qui est l'enjeu majeur de l'université pour les années à venir, sur la formation continue, formation des cadres intermédiaires, nous avons des besoins similaires. Et il y a eu au cours d'un CVU une démonstration par le directeur de la formation continue en Guadeloupe de cette espèce d'articulation qui faisait qu'en fonction des besoins, nous ouvrions les formations sur un territoire, sur un autre, nous mutualisions, nous décidions de placer la formation là où était le poids majoritaire, qui peut être une fois la Martinique, une fois la Guadeloupe. Donc cette intelligence de fonctionnement, elle existe. La crise l'aura sans doute un petit peu, il restera des rancœurs, mais elle existe et elle continuera à exister. Bien, alors on est arrivé pratiquement au terme de cette émission, mais avant de finir, je voulais quand même faire un dernier tour de table sur, parce que le thème de l'émission, c'était quel avenir pour cette UAG, ex-UAG. Je pose la question à Pierre-Édouard Picot, ensuite à M. Moulinier, puis Mme Troubouin, on terminera par M. Delcroix. En un mot, deux mots, pas trop longuement, comment vous voyez l'avenir de cette ex-UAG? Est-ce qu'il faut, comme on dit, la transformer, la rénover, la créer, ou bien laisser en l'état, en enlevant simplement le G? Moi, je crois que la formule d'une autonomie large pour les deux pôles était un pis-aller, un compromis qui pouvait être acceptable. Mais je me rends compte qu'en réalité, ça pose encore problème, parce qu'on voit bien là où ça coince. Faut pas changer la présidente, faut pas donner trop d'autonomie. Donc finalement, moi, je sais pas, j'ai l'impression, et je l'ai écrit, hein, je cache pas ce que je pense. Même si aujourd'hui on trouve un consensus pour un pis-aller, le problème va se reposer dans 5 ans, dans 10 ans. Je suis absolument convaincu qu'on ira toujours vers une université Guadeloupe, une université Martinique. Monsieur Molinier. De toute manière... Alors vous avez deux positions, celle de votre cœur et celle de votre syndicat. Oui, le syndicat de toute manière, et l'intersyndicale va toujours, et je rappelle, toujours défendre les personnel qui sont en Guadeloupe. C'est notre rôle, c'est en tant qu'intersyndical, on s'est positionné là-dessus. D'accord. Et on sera extrêmement vigilant à tout transfert de poste, parce que ça met en danger la réduction de la précarité pour la Guadeloupe. Donc, on va être extrêmement vigilant quant à quel que soit ce qui va être proposé, quels que soient les accords du type « Oui, mais comme vous avez trop de formation, nous on a moins de formation, vous allez nous laisser l'université, l'IUT Antilles, ou il faudra nous donner autre chose parce qu'on ne pourra pas rester ensemble. » Donc ce type, je vais dire, de chantage entre nous qui commence dans les discussions, ce chantage-là ne va pas passer. Je dis clairement que de toute manière, on sera rigide là-dessus. La deuxième chose que je veux dire, c'est que globalement, s'il se passe quoi que ce soit, je le dis clairement, ça ne va pas aller. On va bloquer. Et c'est évident. Et ça ira jusqu'à la rupture. Parce qu'il n'est pas question de rentrer dans un consensus mou. Il faut qu'on soit très clair. Il faut que les choses soient actées. Il faut que les critères soient actés de manière à ce que tout le monde sache. On peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Voici l'argent d'un tel, voici l'argent d'un tel, voici le nombre de postes d'un tel. On n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est en fonction du nombre d'étudiants. Et c'est important pour le développement de chaque territoire, et ce sont les territoires qui se battent. D'accord, Madame Troubeau.
je pense que M. Molinier ramène à moi la conclusion de Pierre-Édouard Picor. Oui, incontestablement, on va y arriver parce que les petites stratégies, maintenant, ça ne passera plus. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, c'est que c'est la Martinique qui a mis en œuvre cette stratégie et c'est en Martinique que tout a explosé. Donc, à la limite, on a presque envie de dire, ben, le péché originel, on le paye presque. Il y a presque une dimension mystique pour moi dans cette affaire. Mais là, c'est ma façon aussi de rappeler que nous vivons dans un univers qui n'est pas entièrement rationnel parfois. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il faut aussi que les personnes extérieures à l'université se mêlent aussi de ce qui se passe à l'université. Et il faut que les universitaires, parce que j'estime que dès que la campagne pour cette présidence avait autant été médiatisée par le laboratoire, le CAGI, on peut le dire, on rentrait déjà dans le fait qu'on invitait tout le monde dans ces combats et dans ces débats. Et en Martinique, ça n'a pas raté. En Guadeloupe, nous avons été relativement sages. Je suis intervenu quand j'ai trouvé que la communication autour du Sérégmia, ça frôlait l'indécence vis-à-vis de l'intelligence des gens. Là, j'ai pris la parole. Mais en Martinique, c'est quelque chose d'absolument sulfureux. Donc, il faut que les universitaires aussi reviennent à des choses beaucoup plus calmes, réapprennent aussi qu'ils ne détiennent pas la science infuse, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir le droit de parler, et que lorsqu'ils mettent le débat dans la société, mais il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un retour, qu'il y ait un feedback et qu'il n'est pas toujours, qu'il n'est pas toujours en enfer. Personnellement, je pense l'UA à moyen terme et à court terme et à moyen terme, je pense, comme l'a dit Pierre-Édouard, que les territoires vont à nouveau s'exprimer, les guerres intestines vont à nouveau revenir et on va arriver à l'Université de Guadeloupe, certainement. Mais il faut qu'on... Avec quand même, vous pensez, je pose la question... Pensez quand même à une université fédérative. Quand même, mais bien évidemment, dans les West Indies, mais bien évidemment, nous avons la capacité de le faire. Oui. Mais les guerres intestines, tout le monde les connaît. Oui. Et quand j'entends, la crise est derrière nous et tout, ce n'est pas en mettant un pansement sur la plaie qu'elle guérit. Il faut régler le problème et le régler vraiment, pas par des déclarations visiblement, M. Delcourt, vous êtes seul sur votre position. Moi, je ne suis pas seul sur cette position. Autour de ce tableau. Je voudrais juste faire une remarque qui est une petite chose. C'est qu'on retient quelques insultes qui ont pu être là. On oublie les messages d'insultes qui ont agoni cette gouvernance pendant toute cette crise. Et nous tenons à disposition la liste des personnes qui ont envoyé ces messages. Très clairement, la majeure partie des messages, ils sont partis du laboratoire que nous citions, le Sérégmia, et en quantité. Donc je veux dire que du côté des messages d'insultes, nous avons été servis, dont le célèbre slogan qui a fait qu'on nous a traités... Non, on ne va pas reprendre le débat. Le Sérégmia n'est pas en Guadeloupe ou en Martinique. Le Sérégmia est une affaire de l'UAG et qui va impacter durablement un certain nombre de choses. Il y a de nombreuses personnes du Sérégmia en Guadeloupe également. D'accord. Bon, pour le deuxième point, sur l'avenir, je ne vois pas en quoi l'Université de Guadeloupe aurait été plus gouvernable, parce qu'à l'intérieur de notre institution, les déséquilibres ne sont pas entre nos pôles universitaires, mais à l'intérieur. Il y a des composantes qui sont bien mieux dotées que d'autres, et ceci se passe à l'intérieur de nos pôles. Donc l'effet Université des Antilles, il a un gros avantage de ce point de vue-là, c'est qu'elle a une masse d'emplois plus importante et donc elle pourra mieux régler ces situations qu'une petite université. Et sur les antagonismes alors ? Sur les antagonismes, ils sont ce qu'ils sont, ils sont irréductibles pour certains, mais je veux dire, il y a par ailleurs, comme le disait d'ailleurs M. Valmorin, il y a à l'intérieur de notre institution des gens de bonne volonté et des gens qui veulent travailler ensemble. Ou pas, mais qui veulent travailler en tout cas, qui veulent former des étudiants. Donc moi ce que j'affirme, nos étudiants, qu'ils nous fassent confiance, nous sommes capables de les former, nous sommes capables de les mener vers leur avenir. Nous avons progressé d'une façon considérable. Nous délivrons actuellement plus de 2700 diplômes d'État par an dans cette université, dont plus de 1000 masters. Et ça, c'est un bénéfice de ces 5 à 10 dernières années. Au-delà, quand on dit que l'université d'Antiguyane n'a pas fonctionné, c'est une erreur. Cette université a progressé à tout point de vue. Les évaluations des laboratoires qui sont sortis par l'Agence nationale sont en général plutôt bonnes. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons beaucoup travaillé. Moi, je rends hommage à l'ensemble des collègues, qu'ils soient partisans de l'UG, de l'UM, de tenir bon, de tenir le cap et de travailler. Voilà. Juste une question en ce qui concerne
les inscriptions pour l'université, pour les étudiants. Alors, la date, c'est quand? Ils commencent dès lundi, ils peuvent s'inscrire dès lundi, ils se rendent par Internet, toujours. Par Internet, oui. Le site www.univ-ag.fr. Il y a quelques diplômes de master pour lesquels les inscriptions ont été un petit peu en amont, mais pour nos licenciés, qu'ils se rendent sur le site, qu'ils n'attendent pas la fin juillet, qu'ils le fassent dès maintenant. Oui, parce qu'ils le font toujours fin juillet. Donc, dès lundi, ils peuvent s'inscrire sans problème. Mais voilà, ce débat se termine sous cette parole rassurante. En tout cas, les choses ne sont pas terminées, puisque, je l'ai dit, lundi, nous serons en Martinique où aura lieu le deuxième round de cette rencontre entre les quatre exécutifs. À la suite de cette réunion, semble-t-il, devrait y avoir un communiqué commun. On saura, et on saura effectivement ce qui viendra de cette année université Antilles ou Antilles-Guyane, ou en tout cas pas Antilles-Guyane, mais Guadeloupe ou Martinique. On verra ça dans les jours qui viennent et on se retrouvera probablement d'ici le mois de septembre pour un nouveau débat. Ce sera que le quatrième débat sur l'avenir de l'université Antilles-Guyane. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes venus. Je remercie tous ces gens qui sont venus et qui ont participé au débat. Madame Fabienne Alvarez, Monsieur Didier Bernard, Patricia Braflan, sociologue, Monsieur Victorin Lurel, bien sûr, Madame Sarah Gaspard qui était là, Monsieur Jacques Moulinier. On me disait, ouais, Moulinier foutra le bordel. Eh bien, il n'a pas foutu le bordel. On me l'a dit, monsieur, quoi. Et voilà. Je vais barrer. Madame, je vais barrer le studio. Madame Ramassami. Et je remercie, bien sûr, toute l'équipe qui m'a permis de réaliser ce débat. Mon assistante. Non, il y aura une émission. Et puis, mes techniciens. Voilà. L'émission est terminée. Elle est rediffusée à partir de lundi, de dimanche. Même s'il y a la Coupe du Monde, mais comme la France est déjà éliminée, hein, ça vous a fait garder rien encore. Sauf pour le Brésil. Moi, je rencontre le Brésil, il a gagné. Et donc, l'émission aussi sur le site www.caribcreolenews.com à partir de lundi, on pourra avoir des rediffusions. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau C'est dans la presse.